On y va. Come on, big boy. C'est chez vous, mon gars. C'est chez vous. C'est chez vous, mon gars. Il y a du stock, hein? Ferme la porte. Non, mon boy, non, laisse-la tranquille. Viens, mon boy. Bravo! C'est bizarre, ça doit être genre. Ça doit faire à peu près 25 minutes qu'on est ici. Puis, tu sais, là, on n'est pas très habitués. Puis, je sais pas par où commencer, comme à chaque déménagement. Mais, tu sais, Burn, il est comme assez à son aise, je dirais. Il sent et tout. Puis, j'ai montré qu'il était assez haut le balcon. Puis, Cookie aussi, là, t'es à son aise. Je sais pas si vous le voyez, mais. À l'air de vivre sa best life. Ok, je suis super contente. Puis moi, ça paraît que j'ai chaud parce que je sais pas comment il fait ici, mais il doit faire aux alentours de 31. Pour vrai, je suis sérieuse. Fait que c'est ça. Puis là, je sais pas par où commencer comme à l'habitude. Ah, je cherche, on dirait, de quoi à faire, mais comme je sais pas par où faire. Comme, vous comprenez, hein, c'est l'enfer, le déménagement. Mais je pense que je vais vider ce sac-là parce qu'il est presque vide. Fait que quand on voit un sac presque vide, on continue à le vider. Fait que, on voulait vous parler un peu de comment a été le voyage. Parce que, tu sais, comme vous avez vu, on était vraiment plein. Le voyage était colissant plein. On est chanceux de pas avoir une étiquette parce qu'on s'entend que, hein, on voyage pas de même toujours. Mais, on a pas mis un flat, un gros trou. Juste en arrière, dans le fond, sur le pont à Montréal. On a pogné un méchant trou, puis je vous jure, là, le bruit, c'est comme si tu venais de casser quelque chose de solide. Puis on a réussi à se rendre, mais tout de suite, mon chum est allé voir, puis il dit on a comme une bosse sortie du pneu. Hey, j'ai la colissement rouge! Je vous avoue, j'ai quand même chaud, mais je suis pas aussi rouge que ça. Mais c'est ça, fait que c'est vraiment chiant, mais demain, on pourra pas faire ça parce qu'on est le premier, puis comment dire, c'est fermé ici au Québec, hein? Peut-être même au Canada. Ça ira une autre fois, mais ça fait juste chier parce qu'on est comme bon. Une autre affaire à payer, mais mon chum m'a dit que c'était pas si grave que ça. Tu sais, il y avait des affaires pires que ça qui avaient pu arriver selon la manière qu'on l'a pogné. Moi, ben honnêtement, je vais comprendre rien là-dedans. Fait que je peux pas vraiment vous expliquer ce qui est arrivé, mais tu sais, au pire, si je pense pas toujours, je vais lui demander qu'il explique un peu ce qui est arrivé. Je sais pas. Reste ici, mon bain. Reste ici. Mais genre mini, mais je peux pas m'en empêcher. Je voulais vous montrer un peu la vue. Incroyable. Je suis en suis avec moi. J'espère que personne va me voir sur mon perron. J'espère juste qu'il y a pas des araignées qui sont juste comme dans le cauchemar. Allez, regardez ça. Il y a bien juste le soir que je peux être en bobette sur ce balcon-là. C'est tellement beau. Le balcon il est vraiment long. Fait que nous, on va sûrement installer notre table dans ce coin-là. Que vous ne voyez pas vraiment en ce moment. Puis, c'est ça. Là, on a mis des petites chaises d'espoir. Puis, je sors juste de la douche. J'ai nettoyé la salle de bain. Fait. Ah, demain, on a full de vaisselle à faire. Ça fait bizarre d'être ici. Depuis que j'ai 6 ans que c'est ici que je suis là. Puis j'en reviens pas que je suis là en ce moment. Puis là, je suis comme. Mes projets vont peut-être se réaliser. J'ai toujours travaillé énormément fort pour ma musique. Puis, j'ai tellement peur, guys. Aucune idée. C'est la chose qui me fait le plus peur dans le monde. Aller voir les gens, de m'ouvrir aux gens. Puis, c'est ce qui me fait le plus peur. Puis, je sais qu'il va falloir que je travaille là-dessus. C'est tellement quelque chose pour moi qui est dur de m'ouvrir aux personnes. Fait que, j'ai tellement, mais tellement peur.
Mais je veux vous dire parce que je pense que pour chaque personne dans la vie, on a une peur. La mienne, c'est ça. Ça, puis la noirceur. D'accord, en tout cas, je vous laisse parce que j'essaie de pas parler fort, mais je m'endors pas. Parce que je me rends compte que c'est vrai, tu sais. Puis je trouve ça mal d'avoir une vue comme ça. What the fuck? Si je pourrais regarder ça pendant des ans pour moi. Ça me traumatise. Fait que je vais aller regarder une autre fois. De quoi ça a l'air? Faire un tour, êtes-vous prêts? Comme je vous ai dit, c'est pas vraiment terminé. C'est rien de fait. Fait que là, c'est tout encombré. Ça, c'est ce qui s'en va dans le taux. Hello, welcome home! Bernie, comment y'a? Donc, ça, on a les enfants qui s'en vont dans le taux. Ceci, ça c'est des vidanges qu'on s'en va jeter tout à l'heure, du recyclage. Là, comme vous voyez, il n'y a rien de terminé. Fait qu'on a toutes mis les choses par tas de même matière dans la même affaire. Fait que c'est pour ça que c'est comme tout encombré. Ça, c'est toutes des choses qu'il faut cleaner dans des choses comme ça. Comme vous voyez, il n'y a pas de place. On va s'en sortir. Mais c'est ça, hier, moi, j'ai nettoyé la salle de bain du mieux que je peux. Mais avec une brosse à dents, j'ai essayé de faire partir le jaune que vous voyez dans les tuiles, là. Ça part habituellement, ça avec du vim puis des produits bien forts. Hey, j'ai passé peut-être fucking 15 minutes à nettoyer les petits clapets ici. Mon chum, ils ont revissé, c'était jaunasse, là. Il y avait plein de crasse. Puis sinon, le reste était quand même propre, là, je vous dirais. Mon chum a repatché un trou ici pour qu'on puisse repeinturer le meuble blanc parce que il y avait deux portes papier de toilette puis je trouvais ça complètement inutile. Fait que c'est ça, mais on aime quand même les poignées de porte, par exemple. Le garde-robe ici, que pour l'instant, on a mis plein de choses. Là. La étière, la bouffe, des manteaux, en tout cas. C'est super, mais c'est ça, c'est pas nettoyé. Fait qu'à chaque fois qu'on va refaire ça, on va nettoyer. Ça, c'est un autre garde-manger qu'on n'a pas nettoyé non plus. Fait que si je vous montre, c'est des vêtements sales. Ça ressemble à ça. Ça donne une petite idée. C'est comme je vous ai dit, c'est vraiment un petit appartement. Là. On est Montreal downtown, so. Fait qu'on va aller voir la chambre. Ça, c'est des sacs réutilisables. Ça ressemble à notre nouveau matelas, vous le voyez, il est là. Ça, c'est la nouvelle base, mais on a oublié de racheter une deuxième fois le tiroir. Fait qu'on est normal. Fait qu'on peut même pas la monter. Mon chum va repeinturer ce meuble en blanc. Je sais pas si vous voyez. Fait que ça va faire un beau contraste de beige gris. Fait que ça, c'est la vue qu'on a ici sur la centre-ville, comme je vous avais montré un petit peu. Vous voyez, il y a quand même plein de choses. Hier, il y a une des lampes comme ça qu'il y a le Windex qui a coulé, fait qu'on l'a jeté. Fait que ce qu'on va faire, je vais prendre l'abajoue de celle-là, puis je vais la mettre sur une autre lampe que j'ai, puis on va en acheter deux nouvelles abajoues pour ceux-là. Ça, c'est tous les vêtements que je dois serrer présentement. J'en ai pour mon identité, on a des vraies affaires, puis ça. Puis là, on a trouvé un meuble l'autre fois à l'extérieur du logement, la deuxième journée qu'on déménageait, je crois, ou la première? Non, c'était-tu la première ou la deuxième journée qu'on a trouvé le meuble blanc? La première, c'est malade. Puis là, il est complètement neuf. Je sais pas si vous voyez, mais il y a absolument rien. Genre, il y a juste comme, mettons ça ici, une mini engratignée pour moi, on la voit même pas de loin. Fait qu'on l'a tout nettoyé, on l'a arrangé parce qu'il y avait des trucs qui étaient lousses ici. Puis là, ben, j'étais en train d'organiser ça parce que hey, je suis tellement contente d'un meuble gratos, on dira pas long. Puis ça, c'est tous les supports qu'on a achetés l'autre jour chez Ikea. Donc, on a acheté 50 supports. C'est vraiment pas cher pour vrai. Puis Cookie, elle s'est déjà fait des petites quichettes. Allô, Cookie! Ouais, bien. Puis je capote. On a une lumière dans le walk-in. Ça va être mon côté parce que je trouve ça... Mes vêtements sont plus petits. Tu sais, les gars, eux autres, ils ont des gros chandails qui viennent tout englober ici, genre. Fait que c'est fou l'encombrant vu que la lumière est là. Fait que j'ai décidé de faire le côté à mon chum. Ça va être la moitié. Puis, il va y avoir cette moitié-là à moi, puis toute l'autre côté à moi. Puis là, c'est ça, il y a la planche en neige qu'on va essayer de vendre ici. Ça, c'est plein de racks, là. Ça va pas être. Fait que c'est ça. Ensuite, on va aller vers la cuisine. Ici, on va acheter un gros miroir en passant, qu'on va mettre juste vers l'entrée, mais qui va être à côté sur le mur. On avait trouvé un hier, mais il s'est vendu, je pense, malheureusement. Il m'a pas réécrit, le monsieur. Fait que c'est pas mal ça. Là, on s'en va vers la cuisine. Fait que la cuisine est vraiment minuscule, comme vous pouvez le voir. Puis ce que j'aime quand même, c'est qu'il y a des petites... comment on appelle ça? Des lumières comme ça, j'ai pu incruster. D'elle, non? Je me rappelle pas. En tout cas, il y a un terme, mais je me rappelle pas du nom. Puis c'est ça.
Je vais juste vous montrer, il y a un îlot comme ça. Puis, vous voyez, il y a pas mal de produits partout, là, c'est tout encombré. Le toaster est là-dedans. C'est quand même un faux pas si pire, là, vous voyez pas, parce que mon horloge. L'horloge, justement, la grosse horloge, elle va aller juste ici. On a essayé, puis elle fit. Justement, mon chum, il va repeinturer ce meuble-là blanc. Et le meuble que vous voyez ici blanc, en tout cas. Puis, tu sais, ce qu'on aime ici, c'est que c'est moderne, tu sais, contrairement à notre ancienne place, on n'avait pas des poignées de main. Ça, c'est tout nettoyé, il restait comme de la vaisselle à faire. Puis, on a notre lave-vaisselle qui est compris. C'est ça, le four. Et on a ça ici qui est compris également, comme là, il y a fuck all. On a la salon. Fait qu'ici, on va probablement mettre la TV, mais on sait pas encore ça va être tout à fait de quel bord. Parce qu'on regardait ça, on n'est pas sûr. Puis, la TV dans le coin là. Bernard, il est là, son aise, hein, mon bébé? On va-tu voir encore le balcon avec les amis? Puis, on va aller voir le balcon. Fait que le balcon, comme je vous avais dit, on a commandé justement notre divan. Il va arriver vendredi. Devinez où? On l'a commandé! On l'a commandé! Là! C'est quoi les chances que ça aille sur notre rue, hein? Fait que c'est super cool! Ça va, mon loup? Ben, il a l'air d'aimer ça ici. Là, aujourd'hui, peut-être plus demain, là, mais on veut nettoyer tout le balcon, passer la balayeuse, nettoyer avec une guinée pour enlever tous les microbes et tout et tout. Peut-être que ça ici, ça part. Il y a plein de tâches, des fois, qui peuvent partir. On a mis nos chums parce qu'on peut trop d'aider. Fait que c'est ça, Bernard, il a l'air d'aimer. Mais on essaie de pas laisser Bernard sur le balcon quand on n'est pas là, parce qu'il faut pas qu'il arrive quelque chose. Ben, tu veux-tu venir? Viens au bain. Il t'aime, gros. Viens. Ben. Faut pas tirer sur le balcon tout seul ici. Attends. Good boy. Bon, fait que c'est ça. C'était tout pour le house tour. C'est vraiment minuscule, comme vous avez dit. Un 7,5 à un 3,5. C'est ça, bien qu'on est plein d'amour. Oui. C'est mon rack à guide qui va probablement aller dans ce coin-là. On sait rien. Mais je suis contente parce qu'on a quand même de l'espace. C'est le lit collé, ça qui manque la base. Fait qu'on a de la place pour bouger. Fait que ça, c'est plaisant. Moi, je m'attaque à ça ici. J'étais vraiment contente qu'il y ait un tiroir qui rentre, un meuble de tiroir qui rentre dans notre walk-in. Je suis contente. Fait que c'est ça, je vous laisse avec ça ici. On commence l'ouvrage en double, en triple. J'ai tellement faim! Ça va chill live. Donc, on a pris celle-là au tofu et l'autre au. C'était quoi, les déjà? Au pois chiche. Quoi? Pois chiche. Fait que, dis-nous si t'aimes ça. Frais, c'est une vinaigrette, je pense. Barney commence à s'habituer à sa nouvelle maison. T'es content, mon loup? Oui, t'es content. Je suis la seule qui trouve que ça me fait vraiment pas si mal que ça, genre, ce look-là. Bon, là, j'étais rendue à faire. J'ai commencé à faire des coupes de vin, j'ai nettoyé tout le frigidaire. Tu sais, comme si je montre le frigidaire, le présentant est vraiment très clean. Comme vous voyez, on n'a pas grand stock. On a bien d'alcool, parce que mon chum, c'est un gros fan d'alcool. Puis on en masse de vin aussi pour lui, mais comme moi, je bois pratiquement pas. Mais je me suis dit que j'allais peut-être boire ça ici ce soir, là. De ceci. Ça reste à boire. On va voir. Puis sinon, c'est ça, on va acheter des fruits et des légumes qu'on va mettre ici parce que là, on n'a absolument rien. Tu sais, on avait mis ça dans le restaurant, mon chum. Fait que, puis nous, on est des gros mangeurs de fruits et légumes. Fait qu'on les a toutes passées avant de déménager. Puis on a quand même, j'ai tout nettoyé ça. Là, je vous dirais que le congélateur était vraiment, vraiment pas propre. Fait que le nettoyage a servi à quelque chose, je vous dirais. Je suis tellement contente, j'ai trouvé ça. Mais je sais pas où la pompe. Peut-être dans la même place. Là, parce que j'ai hâte de me faire un nettoyage de nez. Comme vous savez, tu sais, à l'autre appartement, j'avais des problèmes un peu de respiration, mais on ne sait pas encore si c'était dû à ce qu'il y avait dans l'appartement ou whatever. Fait qu'on va savoir assez vite aujourd'hui. Je vous dirais que j'ai quand même encore des sécrétions. Fait que peut-être que mes sécrétions sont peut-être trop habituées ici et trop ancrées dans moi. On ne sait pas. JP? JP? Travaille pas? Ouais. J'essaie d'être en train de nettoyer le balcon. Là. Puis il fait, on est bien dehors. Oui, il y a un bon vent. Parce qu'en dedans, il fait quand même chaud. J'ai le vertige un peu. Moi, j'aimerais pas ça. Nettoyer ces bords, là. Moi, je broyerais pour vrai. J'ai vraiment peur.
Yes, il l'a enlevé! Yes! Oh mon dieu, regardez cela, là, il y avait une stick de grosses taches d'aiguilles, puis il l'a enlevé. Ça, c'était grave, c'est croûté, là. Ouais. C'est pareil. Ah, t'as enlevé le clou! Ouais, aussi. Ah, ça fait déjà plus clean, hein? Et là, je vais passer à la brique. Je vais passer à la brique à la brosse. Ça va être propre. Tout le haut, il est flat. Tout le béton, là, il est flat. Ouais. Je vais prendre le béton ici, aussi. Ah, c'est cool. Je vais passer à la brique, rester à la brique, puis j'ai fini dehors. Puis il y a Barn qui est ici. On va passer à la balayeuse, là. Tranquillement, mais lentement. La mélancolie. On enlève le tape. Oh! 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 Yeah. Au mur blanc. Avec un contraste de beige. Si vous voyez là, il y a quand même pas fait de différence. Il y a du blanc, du beige. On va dire qu'il y a deux sortes de blanc. Puis un genre de gris beige. Désolé de ne pas avoir été trop présente aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je suis en train de vlogger le tout. Mais c'est ça. Le déménagement, ça m'occupe pas mal. On a reçu notre divorce! Puis je voudrais que la cuisine a avancé, là. C'est parce qu'on a soupé, fait que on a encore du stock à faire. Mais tout a avancé, j'ai hâte de vous montrer le tété clé. Puis on est mignon. Tu sais, je veux pas être sujet. Y'a de l'air? There's some stuff heavy in the world. You gotta live with it, you know? Sometimes it's shit happens, you know? You don't really know what to do, what to figure out, you know? And it's just every life, like nothing else matters. Attention à cette petite peinture-là. Il faut surtout pas la rééchapper. Si on la rééchappe, elle va casser les gueules. Ouais. Tiens, tu vis, c'est quoi ça? Je dois visser ça au fur et à mesure. Oh, what do I need? This? I'm wondering. Oh, I'm gonna start with what? Exactly. C'est avec le reste. Oh, I'm so happy. But I'm not sure about it. Oh, yeah, fine. C'est un peu. Donc, on a acheté des ampoules que finalement on n'aimait pas pour notre nouvelle lampe. Elles sont vraiment trop fortes, je dirais. On a acheté 4 paquets de support comme l'autre fois, que je vais aller mettre tout de suite dans le garde-robe parce que je suis écœurée de la linge traîne. On a acheté un truc à vaisselle parce qu'on avait acheté le nôtre. Puis ben c'était vraiment pas cher. Fait qu'on s'est dit, why not? Puis ben c'est sûr que nous, on a la vaisselle. On s'en servira pas comme quotidiennement. Mais quand on va s'en servir, ça va être vraiment plus pour. Tu sais, mettons, nettoyer mon assiette parce que je veux pas qu'elle traîne parce que je suis la seule à avoir mangé dans la journée. Pas. Whatever. On a acheté un drap qui va en arrière dans le bain. C'est bon, la fille, elle donne ça. Puis on va en acheter un autre. On n'aimait pas les modèles. Dans le fond, les deux, on aimait des modèles chaque, mais on n'aimait pas le même. Fait qu'on a dit, Chris, on va en acheter un. Peut-être au Walmart ou whatever. Fait que c'est ça. On va venir à une conclusion. J'ai acheté des petites affaires de bouffe. Mince, au gingembre avec amande. Moi, j'ai jamais acheté de bouffe au IKEA, c'est la première fois. Puis j'ai acheté ça. Parce que ça se mêle tellement bon. C'est du mélange de thé blanc et vert. Puis moi, vous savez que j'adore le thé vert. Aromatisé de fleurs de cerisier biologique. J'ai le goût de boire ça, Fait que c'est ça ici. Fait que j'ai hâte de voir. Ah oui, c'est des petits sachets. C'est génial, regardez. Fait que. Hey, ça sent donc ben bon. La fois, c'est genre cherry blossom, c'est ça.
mystère. Fait que je vais aller me faire ça tout à l'heure. Mais moi, je pense que ça, ça doit être meilleur froid. Ouais, d'après moi, c'est meilleur froid. En tout cas, whatever. Fait que c'est ça. Je pense que c'était genre 5$. Je m'en veux. J'ai acheté, pour finir, j'ai pas acheté grand chose parce que le reste, ben, tu sais, c'était des grosses affaires. Fait que c'est quand même une facture qui nous a coûté cher. Sinon, on a acheté, deux bougies. Ils sont à 99 sous chaque. Pour vrai, ça sent tellement la vie, là. Celle-là ici, au jasmin et au vanille. Fait que moi, je pense que je vais ouvrir celle-là au jasmin. Mais c'est sûr qu'on n'est pas vraiment dans la saison de « Ah, oh, on met des bougies partout et tout. » Mais, ah, oh, c'est vraiment bon. Mais je trouve que ça sent bon. Fait que c'est cool de mettre ça dans l'appartement. Je trouve que ça vient rajouter un petit kick. Pour vrai, c'est assez incroyable la senteur. Là. Je vais juste dire ça même. Fait que j'aime mieux ouvrir tout ça et en mettre partout. Là, on a trouvé la lampe, le divan aujourd'hui. Mais, puis on est allé acheter, comme je vous avais dit, les deux tiroirs de base de lit qu'on a oublié. La meilleure, je pense vraiment que c'est celle-là. C'est vraiment celle-là. Je vais vous donner vraiment la place. Ben, attendez. Ah! Les deux sont malins. Je pense que je pencherai plus pour vanille, étonnamment. Mais c'est juste mon gars. Fait que ce que je vais faire, j'ai goût d'en mettre une sur le, ici, sur le petit bureau que vous voyez pas. C'est ça, guys. C'est tout pour ce haul. Il était petit, mais je vais aller vous montrer les autres choses qu'on a achetées. Hier, on a acheté ces deux tabourets-là sur Kijiji. Donc là, vous voyez pas parce que c'est la serviette parce qu'on a nettoyé tout à l'heure le plancher. Là, fait que on a nettoyé avec, comment on appelle ça? Le truc à vernis, là. Seulement. Parce qu'on avait échappé de la peinture, fait que c'est pas tellement évident, je dirais. Fait que ils sont super beaux, super de qualité. Ensuite, aujourd'hui, ce qu'on a acheté, le divan chez Structum. Un divan en ligne, c'est vraiment ce qu'on voulait. Burn, il l'adore. La lampe ici chez Ikea, la grosse lampe que vous voyez souvent sur Internet. Puis hier, on a acheté également cette petite table sur Kijiji aussi, mais qui vient d'Ikea. Fait que nous, on est vraiment contents de l'avoir acheté à moitié prix. Puis sinon, on a acheté ça ici chez Ikea l'autre jour. Puis ça, c'est les plantes chez la compagnie Fanny, à Rimouski. Fait que si jamais ça vous intéresse, on a acheté ça là. Puis on a également acheté chez la boutique chez Fanny, c'est ici. Fait que je vais vous le montrer là, un petit peu plus cute dans un angle. Fait que c'est un petit truc à miel. On l'a vraiment acheté plus esthétiquement. Puis là pour l'instant, tu sais, je vais le mettre ici là, il traîne un peu parce qu'on n'a pas encore décidé où est-ce qu'il allait aller nos enfants. Mais c'est ça, ça l'a vraiment avancé puis on trouve ça cool. Tu l'as montré. J'ai moi. Ouais, j'avais expliqué parce qu'on avait pris les petits bancs, la petite table hier. Ouais. Tu sais, à chaque jour, on achète des choses qu'on sait qu'ils vont fitter dans le décor. Puis ça, c'est quand même assez compliqué. Tout à l'heure, justement, on va vous parler de ça. On voulait acheter un meuble jaune, mais genre un jaune moutarde. Ça mettrait du pep ici pour vrai. Puis on voulait acheter les rideaux, puis des coussins. Puis on se disait, ça va faire du pep. Finalement, on n'a jamais réussi à trouver les fucking rideaux. C'est qu'on n'a pas pu faire. Ça va choquer, puis on va peut-être changer d'idée. Pourquoi? C'est pas ça, là? Non, jaune, le temps d'être jaune, je suis plus sûr. Pourquoi? C'est vrai que ça pourrait être beau, mais. Moi, j'aimerais ça avoir un meuble qui est genre noir mat ici.